Good morgen, Aleiden, les tu seras aujourd'hui le Lunishmat Amram Yona ben Chana, Nissim ben Ahuda, Sarah Batrama Rachel, ainsi que l'Irfuat Ari Akiva ben Shachar, Betoch Shahar Chole Israël. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhat Avot, Perek Aleph, 4 Mishnayot pour aujourd'hui. On a Mishnah Chet, Tet Yud et Yud Aleph, Mishnah Chet. Yehuda ben Tabai, Veshimon ben Shatar, Kiblou Mehem. יהודה בן תבאי אומר, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים, וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים, וכשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים, כשקיבלו עליהם את הדין. יהודה בן תבאי, שמעון בן שטח, מועטה לדו גדולי הדור, אחרי יהושע בן פרחיה, ניתאי הארבלי, כמו דביג'ון מנסור, קיבלו מהם דו פרסדון, יהושע בן פרחיה, ניתאי הארבלי, Et Yehuda ben Tabai Omer, Yehuda ben Tabai qui était donc le Nassi, le grand directeur, le grand dirigeant spirituel du Dor, alors lui avait l'habitude de dire Al ta'as atzmecha ke'orechei adayanim. Ne te fais pas comme un orech din. Littéralement, en hébreu moderne, un orech din, c'est un avocat. Littéralement, orechei adayanim, c'est ceux qui dressent le jugement. C'est-à-dire, en gros, le Barthénois propose deux interprétations. On va partir selon la première d'abord, qui ressemble à l'avocat de notre époque, qui consiste à prendre une scène qui s'est passée et à l'arranger et à la présenter de la sorte à ce que l'on va finalement fausser l'objectivité du juge de manière à ce qu'on va sortir acquitte, ou au contraire, on va se faire acquitter, on va même avoir gain de cause, alors qu'en théorie, avec un regard objectif sur la scène, on aurait dû avoir tort. Soit il vient de nous donner un conseil. Ne te fais pas, ne va pas apprendre à une personne à mieux présenter ses notes, à mieux présenter ses réclamations ou ses manières de se défendre, de manière à ce qu'il va ainsi parvenir à fausser et à avoir gain de cause, en fait, selon la halakha. La halakha, ça c'est flexible quelque part. Tout dépend comment est-ce qu'on approche les choses. Et donc, de ce point de vue, ça veut dire, il nous dit, ne viens pas apprendre à quelqu'un à bien présenter son jugement. Il a utilisé le kafa dimion, ne te fais pas comme un orerdin, au lieu de nous dire, alta sasmecha orre adayanim. Pourquoi il a fallu mettre le kafa dimion? Ne sois pas comme si tu étais un orerdin, un avocat, pour nous apprendre même, ça a apporté cette fois-ci dans le Tiferet Israël, qui fait attention à ce petit kaf, qui nous explique, qui nous dit, même si il s'agit d'un proche parent de toi, et que tu pourrais lui apprendre et lui faire, et quand, selon l'Alaha, il n'y a plus d'interdit à aider un proche parent à bien faire le clair dans la scène qui s'est passée, malgré tout, si tu es une personne importante, alors ne t'amuse pas à le faire, à apprendre à mieux présenter les choses, à mieux affirmer et réclamer, de manière à ce que tu vas avoir gain de cause. Ça, c'était la première instruction. Le selon le Barthénora maintenant, « Orche adayanim », c'est ceux qui dressent le jugement cette fois-ci. On parle tout simplement des juges. Soit ne te prends pas pour un grand juge. Ça implique deux interprétations. Soit on s'adresse en fait à celui qui n'est pas encore juge, qui est plutôt, comme ce qu'on avait appris dans Sanhedrin, qu'il y avait les juges qui jugeaient, et il y avait leurs disciples qui étaient présents, selon trois rangées, et qu'ils étaient là pour apprendre, pour parfois même faire des remarques aux rabbanim et exprimer leur avis. En tout cas, il vient et nous dit, lorsque tu veux parler devant ton rave, et lui dire peut-être qu'il faudrait faire autrement, ne parle pas comme si tu étais déjà un grand juge qui tranche les choses différemment. Mais présente-les, habitue-toi toujours les présenter avec humilité, dans le sens où peut-être que voilà Rav, qu'il faudrait considérer tel point, qu'est-ce que le Rav pense, avec humilité, comme si que tu ne viens pas affirmer les choses. Ça c'était une première interprétation. Deuxième interprétation, on s'adresse cette fois-ci au juge. Lorsque tu convoques les gens pour qu'ils viennent comparaître devant toi, alors il te dit... Ne te fais pas comme si tu étais un grand juge, je vous appelle, je vous impose de venir jusqu'à telle date. Non. Adresse-toi avec eux, avec un peu plus de souplesse. La kouf baledinim shiavou lefanedin lefanecha. Je ne sais pas tellement ce que ça implique en fait, parce que le juge, au contraire, il a son devoir de garder malgré tout son statut de juge, sinon il ne se fait pas respecter. Mais peut-être qu'il ne faudra pas trop en faire, ne pas, je ne sais pas exactement ce que ça implique. C'est la dernière phrase du Barthénora. Omipi acherim shamati, regardez. Alta sasmecha kegdola dayanim, ne te fais pas comme si tu étais un grand juge. La kouf baledinim shiavou lefanecha, ledin lefanecha. De forcer les deux parties à venir devant toi. En tout cas, on continue. Urcheyou baledinim. Lorsque les deux
partis seront devant toi. Considère-les comme si c'était tous les deux des coupables et des menteurs. Ne viens pas en laissant du crédit à l'un plus qu'à l'autre, parce que lui, il a l'air plus tzaddik, plus humble, il a une plus grande barbe, des plus grandes péotes, il a une grande renommée, peu importe. Lorsqu'ils viennent tous les deux comparaître, tu pars du principe que chacun, il est probablement atteint par sa subjectivité, il regarde la scène selon son point de vue, mais peut-être que l'autre, il a en réalité raison. C'est très fréquent de voir des scènes pareilles, d'ailleurs. Ça part pas forcément d'un mauvais fond. Il y a une grande règle que celui qui a des intérêts dans quelque chose, il est naturellement faussé à plus défendre son parti que de voir la scène telle qu'elle est. Donc, partant de ce principe, lorsque deux personnes viennent comparaître devant toi, tous les deux sont coupables et traite-les comme si tu es en train de vérifier qui dit juste, qui dit faux. Et soit choker, enquête beaucoup. Mais par contre, cheniftarim el fanecha, par contre, tu as finalement tranché en faveur de l'un plus que de l'autre. Et donc tous les deux maintenant vont te quitter. Alors là, c'est le moment que tu les vois tous les deux comme deux justes. Même celui qui en réalité voulait voler et que grâce à toi tu l'empêchais de voler, tu lui as dit allez, restitue. Eh bien, sache que maintenant tu dois le voir comme un bon juge, comme un bon juste, comme un tzaddik. Pourquoi ? Shekiblu alem tadin, puisque maintenant ils ont pris sur eux d'accomplir le verdict. Et donc en réalité, il a fait tshuva. Lui, il pensait que cet argent lui revenait de droit, parce que finalement, ils imaginaient que, suite à, comme on est tous capables de le faire, d'être assez subjectif face à une scène, et puis, après coup, lorsqu'on a été remis sur le droit chemin, alors on a accepté le verdict, on va rendre l'argent, et puis c'est fini. Donc toi, le juge, tu dois le voir comme un bon juif, lorsqu'il va te quitter. Mishnatet. Shimon ben Shattach Omer. Shimon ben Shattach, donc qui était lui le Av Bet Din, avait l'habitude de dire Heve marbe l'arkor et ha'edim, veve zahir bidvarecha shema mitucham ilmedu le shaker. Il donne encore deux conseils au juge en lui disant Heve marbe l'arkor et ha'edim. Veille à beaucoup enquêter et questionner les témoins. Ne fais pas les choses à la va-vite, puisque Reuven et Shimon sont venus témoigner devant toi qu'il faut condamner, il faut faire sortir de l'argent, ou peu importe, alors ne te fie pas trop facilement sur les témoins. Veille à bien enquêter, à les questionner, à vérifier qu'il n'y ait pas de mensonge en eux. Et à part ça aussi, Veve Zahir Bidvarecha, il s'adresse au juge en lui disant, veille à tes paroles que tu prononces. Shema Mitocham Ilmedu Leshaker, de peur que, selon ta manière, lorsque tu vas t'exprimer, que tu vas vouloir prononcer le verdict, ou même enquêter, questionner, alors tu risques parfois de laisser échapper des petits mots en trop que si un des deux parties est assez fin d'esprit, il va comprendre qu'en modifiant un petit peu tel point, en améliorant, en enjolivant un petit peu sa manière de présenter les choses, alors il aura probablement un gain de cause. Soit, lorsque tu veux trancher, lorsque tu vas poser une question, mais dis-moi, finalement, lorsque vous avez conclu l'affaire, tu ne lui as pas dit de faire ça. Donc là, il va entendre que s'il avait exprimé telle chose, qu'il pourrait avoir gain de cause. Donc du coup, si l'accusé, par exemple, il va être fin d'esprit, il va directement capter que, il me pose cette question parce que si je prétendais que la chose s'est passée de la sorte, alors peut-être que j'aurai gain de cause. Il va tout de suite calculer un petit peu et se dire qu'il va se mettre à fausser ses paroles. Donc veille à bien parler, à ne pas trop en dire, de manière à ce que les accusés, les deux parties, ne vont pas apprendre de toi comment mieux exposer leur réclamation. Mishnah Yud Shmaya ve'Avtalion kiblu mehem. Shmaya Omer ehov et ha'melacha usna et ha'rabanut ve'al titvada la rashut. Shmaya ve'Avtalion ont tous les deux reçu de Yehuda ben Tamai et de Shimon ben Shattach. C'était deux grands talmidim. Shmaya ve'Avtalion, qui étaient d'ailleurs les maîtres de Hillel et Shammai, qu'on va ensuite découvrir dans la prochaine Mishnayot. Shmaya ve'Avtalion étaient, c'est rapporté ici, qu'ils étaient tous les deux descendants de Sancheriv, le fameux terrible Sancheriv qui a envoyé en exil le 10 des tribus d'Israël. Eh bien, il a ses petits-enfants finalement. Il a un enfant, je crois, qui est parti étudier la Torah ensuite en Israël. Il a fait Tshuva, il s'est converti.
Et depuis, il a mis au monde Shmaya Vavtalon. C'est discuté, est-ce que c'était juste leur mère, ou la mère de la mère plutôt. En tout cas, ils étaient descendants de Saint-Rérive, peu importe, mais ils étaient les Gdolador pour vous dire que finalement, le plus important dans la vie, c'est de se donner à l'étude de la Torah avec des bonnes midotes. Et si on le fait, eh ben on réussit, même si on avait des parents simples, de rang simple, on n'était pas des fils d'eux ou peu importe, dès qu'on étudie la Torah à fond, eh ben, avec la recherche de la vérité, finalement, on peut même devenir les deux Gdolador. Shmaya Omer, en tout cas, Shmaya nous disait, on expliquera le nom de Avtalion dans la prochaine Mishnah, Shmaya, lui, avait l'habitude de dire, Ehov et Amalacha, aime le travail. Bartholomew précise, à partir d'une Gemara de Baba Batra, même si toutefois ça a l'air un travail un petit peu méprisant, eh ben, aime travailler. Ne sois jamais oisif. Parce que tout d'abord, dans la vie, faut se donner Adam la Amal Yulad, l'homme il est né pour travailler, vouloir attendre que. Faut toujours se donner, être préoccupé, et donc aime même le travail. Ousna et Arabanout, il rapporte le Barthénois encore une autre explication aussi. Non, c'est pas lui qui le dit. Ça, il le fait plus par rapport sur le principe aime le travail pour pouvoir avoir une parnassa. Dans ce cas-là, pourquoi il a fallu aimer le travail, c'est un peu plus délicat à expliquer. En tout cas, Ousna et Arabanout. Et Aï, la Rabanout, le rabbinat, c'est-à-dire, ne cherche pas à vouloir. C'est littéralement la rabbanout, c'est comme le rabbinat, c'est-à-dire ne te compte haï plutôt. On va partir sur cette interprétation d'avant du Barthénora. Haï le fait que tu te que l'on veut t'attribuer un titre n'est pas la recherche du titre du rav. Voilà, en deux mots. Soit ça implique tout d'abord, si toutefois tu as un rav khashuv, t'es un rav, ne commence pas à te conduire avec. De manière assez hautaine, si on peut dire, de manière selon ton rang, avec trop de distinction face au peuple. Certes, le rav a un devoir de ne pas se mépriser, mais quand même, à petite dose, c'est-à-dire ne commence pas à te prendre trop haut. Ou encore, ça rejoint le fait qu'il faut travailler. Si tu as un talmid chacham et que tu dois faire quelque chose, alors ne commence pas à dire « Non, moi je suis un rav chashuv, je ne vais pas commencer moi à porter des sacs lorsque je reviens des courses, ou bien lorsque ma femme revient des courses, puisque moi je fais pas les courses, c'est ma femme qui les fait, parce que c'est pas de mon rang d'aller les faire. Alors, ouais, ne te conduis pas de cette manière, sois facile. C'est pas une bonne conduite d'adopter avec trop de distinction. D'ailleurs, Moshe Feinstein qui avait donné un conseil à un rave, comment se comporter. En réalité, il avait donné le conseil que ça va dans les deux sens. Si le rave il est béhémet, très important, alors il peut se permettre d'être beaucoup plus light et patouar avec et ouvert avec le public qui l'écoute. Par contre, si le rav, il n'est pas assez important de parler soi-même, alors c'est important au contraire qu'il se conduise avec assez de distinction, sinon son public, sinon sa communauté ne va pas l'écouter. Donc il aura, oui, le devoir de le faire et de ne pas trop se mépriser. Mais malgré tout, d'accord, bien sûr, c'est des conseils qui sont donnés pour les gens chachamim, pour les gens sages. Donc il faut prendre chaque phrase et la mettre à sa juste mesure. En tout cas, il nous a donné l'axiome. N'hésite pas à ne te conduis pas de manière trop distinguée. Valtit vada la rachout. Alors, c'est assez délicat comment traduire cette phrase. Tit vada. Leit vada, c'est se faire connaître. Mais la da'at, yodea. Leit vada, à la forme pronominale, ne te fais pas connaître. La rachout. Alors, le rachout, c'est traduit par le gouvernement. Les politiciens et tout ça, ne te fais pas connaître par eux, vis ta vie, c'est-à-dire ne cherche pas à vouloir te faire connaître, soit pour devenir pour obtenir un poste important, ou soit parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là dès que tu vas vouloir te faire connaître face au pouvoir? Le pouvoir va vouloir te connaître, finalement ils vont forcément t'influencer à prendre certaines décisions qui vont aller contre ta volonté, contre la Torah. Donc ne commence pas, de manière générale, ou ça se rapporte en fait, ou Snait et Rabbanout aussi, c'est la suite logique. Haï, toute distinction, Bekitsur, vis une vie simple.
D'accord? Ça rejoint la même idée. Ne te fais pas connaître, sinon tu n'auras que des problèmes. Lorsqu'ils vont vouloir te connaître, ils vont ensuite vouloir t'influencer dans certaines grandes discussions, peu importe. Tu risques d'être trop contraint à les suivre. Avtalion Omer maintenant. Avtalion, il nous enseigne, d'abord les Mishnah, Chachamim, Izaharou, Bedivrechem, Shemat, on est Mishnah Yudalef, oui, Yudalef. Avtalion Omer, Chachamim, Izaharou, Bedivrechem, Shemat, Achouvou, Chovat Galout, Betiglou, Limkom, Maim, Araim, Beishtu, Atalmedim, Abaim, Acharechem, Veyamutu, Benimta, Shem, Shamaim, Mitchalel. Avtalion nous enseigne d'abord. Avtalion, le nom de Avtalion, le Barthénoir dans la Mishnah précédente nous explique. Av, le père, Talion, des petits-enfants. Avtalion, lui, il avait pris comme mida de veiller à ce que tous les orphelins, s'occupent d'eux, il veille à ce qu'ils soient nourris, logés, blanchis. Alors Avtalion, en tout cas, donc il avait mérité son nom de Avtalion. Avtalion, on a Avtalion en scène. Chachamim, il donne un conseil aux sages en leur disant « Izaharou bedivrechem, veillez, lorsque vous parlez, à utiliser un bon langage, pas uniquement soutenu dans la qualité de la parole, mais plutôt à ne pas laisser des paroles qui peuvent être interprétées mal comprises et, comme ils disent bien, toujours en politique, l'otzi dvarim mekcheran, on prend une phrase et on la sort du contexte où elle était donnée, on la prend plus à sa juste limite, et après quoi, qu'est-ce qui va se passer? Si tu es quelqu'un qui parle de manière trop ouverte, je connais par exemple certains rabbinim qui ont tendance, lorsqu'ils vont développer une idée, ils vont partir jusqu'au bout, quitte à dire des choses même fausses. Et puis, le lendemain, vous allez écouter un autre cours d'eux, où, finalement, la tendance, elle va être de l'autre côté, ils vont partir à fond de l'autre côté. Leur intention, elle est propre, elle est de prendre l'idée qui est prise, et d'aller jusqu'au bout avec elle. Maintenant, bien sûr, on t'a pas dit que de faire pencher la balance à droite, des fois, il faut la faire aussi pencher à gauche. Donc forcément, le lendemain, ils vont reprendre l'autre cours. Alors, c'est très intéressant, c'est assez enrichissant même d'écouter, de voir jusqu'où les petits mots exprimés dans la Mishnah ou dans la Gemara peuvent partir. Le problème, il est que ensuite, on va se retrouver avec quoi? Shematoch, on va se retrouver d'abord, je dis l'idée. Le public va se tromper et ensuite va déduire de là des graves erreurs, comme ce qui va se passer, comme ce qui s'est passé justement dans l'histoire, comme ce que la Mishnah va nous enseigner. Shematochovu chovat galut. Car aujourd'hui, c'est vrai. Vous parlez aujourd'hui, tu parles aujourd'hui, toi, le Chacham, tu parles devant un public qui te connaît. Mais ce qui va se passer, c'est qu'un jour, à cause de l'exil, à cause de tes fautes, tu vas être malgré tout obligé de partir parler dans un autre public. Tu vas être imposé d'être exilé, de migrer dans un autre endroit, chacun avec les raisons où Hachem veut le déplacer et l'amener. Mais ce qui va se passer, Vetiglou limkom maim araim, il va parler cette fois-ci en parabole, en Melitza. Et tu risques de partir en exil dans un endroit où il y a des eaux mauvaises. Et lorsque ces eaux mauvaises, empoisonnées, amères, alors tes disciples vont les boire et ils vont mourir. Soit, en réalité, il nous dit comme ça. Il nous dit, de peur qu'un jour tu vas te retrouver dans un endroit devant un public, malgré toi, tu vas être obligé de partir, vivre en exil. Et tu vas te retrouver dans un public qui va mal comprendre ce que tu veux dire. Parce que tu ne t'exprimes pas assez, de manière assez tranchée et assez claire. Tes paroles prêtent à confusion. Et tu vas te retrouver dans un mauvais public qui a des mauvaises midotes, qui cherche en fait de tes paroles à déduire des choses pas exactes. Des bonnes excuses pour ne pas trop en faire. Et ce qui va se passer ensuite, ils vont, eux, perpétuer ensuite cette Torah-là, Torah light, où on prend les choses à la légère, et il va y avoir ensuite d'autres disciples qui vont venir et qui vont continuer et aggraver encore plus l'éloignement de la vérité. Et ce qui va se passer, c'est que Nimtza Hashem Shamay Mitralel, au bout du compte, l'honneur, le nom d'Hashem, va être profané. Pourquoi? Imaginez, par exemple, c'est assez fréquent malheureusement, parce que les rabbanim, ils parlent toujours selon le public qu'ils ont devant eux. Si la tendance, elle est d'être trop stricte, alors c'est bien d'être strict sur la halakhot, mais à condition de ne pas perdre tout le côté humain, par exemple. Donc du coup, ils vont nous parler de l'importance de mettre en valeur le ben adam l'chavero, le côté humain. Et puis, après, le public va commencer à prendre une autre tendance, à devenir un petit peu trop humaniste. Et quitte à renoncer parfois à certaines mitzvot, Hanouka, c'est fréquent par exemple, est-ce qu'il faut allumer à la tombée de la nuit quand on est en famille, ou au contraire, attendre que le papa il finisse de rentrer au travail, c'est discuté dans l'acha, là n'est pas le propos. En tout cas,
selon la génération, on va se retrouver donc avec des chachamim qui vont se mettre à parler des fois trop fortement dans un sens, et puis pour rectifier le tir fortement dans l'autre sens. En tout cas, la Mishnah nous dit, ben sache que tu risques à la fin d'avoir des problèmes. Tu vas par exemple avoir une Torah un peu trop humaniste, à la fin, toute la Torah va devenir de l'humanisme, au point où tu vas renoncer à des tas de mitzvot, et finalement tout va se perdre, et il va y avoir du Chilul Hashem, Chas V'Shalom. Donc au contraire, veille à parler à chaque fois avec juste mesure. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Sacha Kotou.